Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Suivez Combo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Be careful.
Bonsoir, madame. Voilà, nous sommes ici réunis à la gare centrale au voie des mouvements. Vous chantez, vous criez, il se passe quoi? Merci, madame. On est venu aujourd'hui à la gare centrale, à la place de la gare plutôt, pour interpeller notre gouvernement. Vous saviez, la guerre à l'Est, ça durait près de 30 ans. Près de 30 ans, les gens continuent à mourir. Les Nations Unies et tout le monde ont pointé du doigt les Rwandais. Et nous avions des relations diplomatiques avec les Rwandais qui financent le rebelle et qui est derrière le M23. C'est pourquoi aujourd'hui on est venu pour dire à notre gouvernement d'arrêter ou de rompre des relations diplomatiques et politiques et économiques avec les Rwandais et aussi le gouvernement de prendre des responsabilités en main, de prendre des responsabilités, d'équiper l'armée et voilà. Je dois partir, merci. Une fois de plus, il manque à ma famille déterminée à signer. Moi, je vais faire l'introduction et ensuite, ma femme va vous abonner à l'équipe. Forum citoyen, les indignés, APC, les Congolais, les vous et autres. Nous allons pour répondre à la bataille. Raison pour laquelle nous allons ici. Chica, tu comandas.
moto wana hôtel intellectuel wa basima wa masake wana afana kombo moko nani matondi mingi ndenge tosangani awa tokokende na makambo milai milai te tosangani lelo mpona kopesa longonya na mapinga na biso FARDC oyo bazobunda na este mpona integrité territoriale ya mboka na biso tozali awa mpe mpona koyebisa bandeko bazali kokufa butu moi na este ke bazali bango moko te bazali bakongole lokola biso oyo bazali na runoni bazali na ruchuru bazali na goma bazali bakongole lokola oyo bazali na goma oyo bazali na mbandakala oyo bazali na kisasa awa bandeko na biso nyonso bayebake tozali elongo na bango eloko ya mibale ezali koyebisa molili mpe munguna ya mboka na biso kombo na ye Paul Kagame na mboka na ye ya Rwanda oyo babandaki kobunda bitumba par population oyo basepeli te bakoti sikoyo na mpasa balingi babotola mabele na biso tokoyebisa bango tokoyebisa bakonzi na biso totya lisusu mai na monoko te mobomi mpe moyini kombo na ye Kagame yango wana tosengi bondeko mpe boninga na Rwanda ekatana ambasader na ye negationiste akende bakanga ambasade na bango epa na biso mpe ambasader na biso na Rwanda azonga mpe biso awa na kobanda lelo tini na mikolo ekoya toparticipe na baaktion nyonso oyo bandeko bakobenga oyo tokobengisa mpona kosoutenir baFARDC na biso mpona kosunga mpe bana na bango basi na bango batiki na nsima kongole viva kongole viva kongole viva 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 De diversifier notre richesse nationale qui est la langue. Nous avons quatre langues nationales, on va les valoriser ce soir pour exprimer le soutien à nos forces armées qui sont allées se battre sur le terrain, mais aussi pour affirmer et marquer notre solidarité avec nos frères et sœurs qui sont en train de se déplacer, qui sont en train de courir et quitter leur village parce qu'il y a une agression rwandaise. Donc nous sommes contents que vous soyez venus, vous avez des multiples occupations, vous avez décidé de venir parce que aujourd'hui
C'est un moment important pour lancer l'unité nationale, pour marquer notre solidarité, pour dire à Kagame et ses affidés qu'on ne peut pas continuer à agresser le Congo. Donc, on a prévu à cette soirée donner la parole à tout le monde. On va demander à toutes les organisations qui valent par la parole de venir se faire signaler pour que nous tous nous animions dans la convivialité cette soirée qui est un défi, qui est le défi d'une série d'activités que nous allons lancer pour que notre message soit compris à la fois par la communauté nationale, mais aussi par la communauté internationale, qui doit absolument dénoncer le Rwanda, parce que le Rwanda agresse un pays souverain, le Rwanda agresse un pays indépendant, qui est le Congo. Et donc, notre présence ici est un message fort que nous lançons à la communauté internationale. Il est temps que l'Union africaine, que les États par la communauté internationale de pouvoir dénoncer le régime de Kigali qui n'arrête pas de nous déstabiliser. On ne peut pas continuer à déstabiliser l'État souverain. On ne peut pas continuer à mettre à déroute des populations qui aspirent à la paix et qui aspirent au développement. Et donc, les organisations qui veulent prendre la parole pour s'exprimer peuvent venir s'enregistrer au comité ici pour qu'ensemble nous animions les débats. On rappelle une fois de plus, la manifestation est essentiellement citoyenne. On va éviter au maximum les clivages politiques, les tendances politiques pour que nous tous nous soyons réunis autour de cette cause qui est notre cause nationale, qui est la lutte contre l'agression, qui est le combat pour la souveraineté et affirmer notre solidarité. On voit cet après-midi, il y a beaucoup de gens ici à la gare qui réclament la rupture de tout ce qui lie le Congo et le Rwanda. Croyez-vous que si réellement il y a rupture de tous les liens entre les Congolais et les Rwandais, la paix sera rétablie à l'Est? D'abord, madame, il faut reconnaître que le peuple congolais est debout, tous azimuts. L'activité que nous avions réalisée n'a aucune décoration politique. Ce n'est pas question de tendance, de parti. C'est l'affaire du Congo. Vous avez vu les gens porter les tricolores de leur pays. C'est pour porter la charge du pays. Et aujourd'hui, ce que le Congo, le Congolais subissent, c'est quand même inacceptable. Nos peuples, nos frères et sœurs de Goma subissent une barbarie non justifiée. Et c'est comme cela qu'aujourd'hui, de manière très symbolique, les Congolais se sont retrouvés pour lancer un message fort. Un message fort à l'endroit de la communauté internationale, mais aussi à l'endroit du gouvernement rwandais, pour qu'ils se rendent compte que le Congo est un État souverain et par conséquent, il faudrait que chacun, de manière très respectueuse, respecte la souveraineté de l'autre. Et donc aujourd'hui, nous sommes venus manifester notre expression des ruptures. Vous avez entendu le Congolais dire rupture diplomatique, rupture politique, jusqu'à ce que les relations entre frères, entre le Rwanda et la RDC va se rétablir en bonne et due forme. Sinon, en tout cas, on ne peut plus continuer à être victime, on ne peut plus continuer à perdre nos frères, nos sœurs, comme si on était dans un abattoir. Et donc, trop c'est trop, et les Congolais expriment leur désarroi, expriment leurs soucis, expriment leur colère, et c'est une colère collective. C'est que nous avions commencé, je crois, on va continuer la même dynamique, parce qu'il faut que le Rwanda
arrive à respecter la RDC. Mais vous envoyez un message aux Rwandais, alors que hier les Ougandais, les ADF ont frappé, ils ont tué plus de 17 Congolais. Qu'est-ce que vous en dites? Eh bien, c'est cela en fait le problème. Vous savez, madame, la RDC, c'est le pays le plus convoité de l'Afrique. Et de ce fait, nous avons plusieurs ennemis dans la sous-région. Alors ici, c'est une question des responsabilités de la part de notre gouvernement, de redéfinir le contrat multilatéral entre la RDC et les États voisins, tout en respectant le principe de réciprocité. Ce que nous faisons aujourd'hui en tant que peuple, c'est un acte d'encouragement à notre armée. Vous savez, une armée est plus forte dès lors qu'elle est soutenue par son peuple. Et donc, pour le reste, cela revient à la responsabilité du gouvernement, en commençant par le président de la République et les restes des responsables officiels de notre pays pour assumer la protection du peuple, assumer et assurer l'intégrité du territoire national, qu'on ne peut surtout pas transiger avec qui que ce soit. Là, vous croyez que la RDC peut se retirer de la communauté de l'État de l'Afrique de l'Est, puisque Kagame, c'est le président? Non, mais ce n'est pas la RDC qui cause les dommages au Rwanda, c'est plutôt au Rwanda. Et c'est comme ça que nous, en tant qu'acteurs politiques, nous lançons un appel de responsabilité, un appel d'implication à la communauté internationale au sujet des actes de barbarie commis par le Rwanda. Il faudrait que le concert de nations arrive quand même à infliger un certain nombre de sanctions sur le Rwanda, parce que nous sommes dans un cadre aussi international qui nous réunit en tant qu'État. Et pour ça, je crois, le respect des souverainetés de tout un chacun doit être respecté à la rigueur. Merci. Le secrétaire général des Nations Unies préconisait même une solution au Sahel à cause des infiltrations et tous ceux qui se retrouvent là-bas. Il a même préconisé la solution d'un mur. Vous comprenez? Donc, si nous désignons ces pays, ou du moins Paul Kagame et sa politique, parce que les Rwandais resteront nos frères, ce pays ne bougera pas de la carte. C'est un pays qui est voisin à notre pays, tout comme l'Ouganda ou le Burundi. Mais quand nous disons qu'on doit rompre, parce que c'est hypocrite, alors que nous devons construire la paix, nous devons faire en sorte que la population, les capitaux circulent avec le respect. Nous devons respecter la vie. Nous constatons que le Rwanda continue d'entretenir le conflit dans notre pays via son proxy M23 et ça ne peut plus durer. Il y a trop de morts. Et donc, à un moment donné, nous devons de prendre nos responsabilités et de dire clairement ce qu'il y a. Quand nous préconisons la rupture des relations diplomatiques, c'est un signe que le Congo maintenant est déterminé d'aller de l'avant. Nous voulons dialoguer. Nous voulons continuer à vivre ensemble, mais à condition que l'on se respecte. Nous avons beaucoup de choses que l'on peut faire ensemble, s'il y a le respect mutuel et le respect des frontières des uns et des autres. Si l'on arrive à cela, nous pourrions toujours faire du commerce, nous pourrons commercer entre nous comme on a toujours fait. Mais avec le respect, que l'on respecte la vie, que le Rwanda arrête de soutenir des mouvements armés qui sont en train d'endeuiller notre pays et nous n'accepterons plus jamais ça. Que le Rwanda accepte d'arrêter avec cette façon d'avoir l'hégémonie, de croire qu'il serait supérieur aux Congolais ou je ne sais quoi. Il faut qu'on arrête ceci. Les Congolais sont des humains et on a droit à la vie comme tout peuple. Voilà ce que nous voulons. Merci. Je vous en prie. Ce qui n'a pas été dit, c'est que nous avons un bisou de Pandana et ça a été. Nous avons signalé le local Moko. Nous avons signalé le local Moko. Nous avons fait ce jour pour répondre à l'appel populaire. Parce que nous avons un bisou. Il y a lui menacé par un petit pays qui représente une de nos communes de la RDC. Et nous ne pouvons pas accepter ça. Rwanda est coquille intimidée puis sauter parce que Rwanda ils ont représenté commune Moko et à Kinshasa. Les Camerounais de Infilita bisote tellement moi ebele yango makamu nyoso salaka ekendaka musika te soki to sangani tokabonaka kaka parce que bango bali na kati na biso même awa ba alipe mais il faut même un message wana ete
Congolais cette fois-ci, ma télémeli ma camboala et ma libo moko pour la mettre fin na ma camboero Italie Est. Moko na biso et kotika la kokabwana Moko na biso et kotika la kokabwana te. Bousso, Nazo Salamo appelle. Nous devons tous être solidaires et surtout se retrouver tous autour du président de la République ensemble pour que tout le monde entre biso na biso. Merci beaucoup. S'il vous plaît, section sur le podium Bokita, s'il vous plaît. Et on va reprendre avec quelques messages symboliques. Nous avons ma puissance au cinéma parce que Patrick a 30 ans au centre de toute chose. Et puis que les autres avec qui on parle de Est-ce qu'on peut d'abord commencer à acclamer pour nous-mêmes pour cette mobilisation?
et le collectif de liberté à Maboko pour la mobilisation au Tosani Bissoboko. Liberté à Maboko pour la Bissoboko. Je pense que chacun de nous va venir déposer une bougie autour de ce drapeau. Et avant qu'on dépose ces bougies, Samuel va nous attendre la chanson de mer dans la main pendant que nous déposerons ces bougies. Il n'y a pas de Congo sans Maïmoya. Il n'y a pas de Congo sans Djougou. Il n'y a pas de
Il n'y a pas de Congo sans Itombwe. Il n'y a pas de Congo sans Fizi. Il n'y a pas de Congo sans Fizi. Il n'y a pas de Congo sans Mweso. Il n'y a pas de Congo sans Mweso. Il n'y a pas de Congo sans Goma. Il n'y a pas de Congo sans Goma. Il n'y a pas de Congo sans Kibumba. Il n'y a pas de Congo sans Kibumba. Il n'y a pas de Congo sans Rumoni. Il n'y a pas de Congo sans Rumoni. Il n'y a pas de Congo sans Ituri. Il n'y a pas de Congo sans Ituri. Il n'y a pas de Congo sans Kale. Il n'y a pas de Congo sans Kale. Il n'y a pas de Congo sans Masisi. Il n'y a pas de Congo sans Masisi. Il n'y a pas de Congo sans Mweso. Il n'y a pas de Congo sans Mweso. Togo il va encore à l'hypocrisie. 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 Va te mettre à mort. RDC, viva! Viva! Bande Boya Est, viva! Viva! Bande viva! Viva! Question où y a est l'estima séki l'économie de l'Omaboy. Est y a mort dans la biseau. Congolais nyonso, il faut accomplir vos ayango au sérieux. Lobby, mon collègue dimanche. Ma maman, ma jeune vie, il y a une étiquise. Azara qui est violé au nombre de 18 personnes. 19, voilà. Voilà. Lobby. Dans mon biseau, tout là, il n'a pas la biseau, il n'a pas la biseau, il n'a pas la biseau. A bombé plus de 20 personnes dans SD, il y a beaucoup de biseau. Dans mon biseau, tout ça, dans Kinshasa, tout ça, c'est quoi, tout ça, mais là, tout ça, la macabonie, et ça, la bande pour la biseau, au bazar, la tante à Zamba. Voilà. Parce que ma kimi, guerre, la tante à ma territoire, na nord, na sud, qui vous. Pendant que nous sommes là, ils ont un ban à eux, ils ont un orphelin, ils ont un petit calambo et ma famille a voté parce que ma bonne papa, ma bonne maman, ma bonne manouko, n'a pas compté. Pendant que nous sommes là, ils ont un bougie à tous ceux qui sont là. Ils n'ont pas rebelle. Oyo, ils ont besoin de richesse à tous ceux. Bazozwa, ba minere na biso. Bazozwa, ba or na biso. Contre volonté à peuple congolais. Est-ce que tu reviens continuer yango? Est-ce que tu reviens continuer pour supporter yango? Ma campagnon sera même salama, malheureusement, avec l'appui, soutien, y'a ma peuple voisin, ma pays voisin. Notamment Rwanda, Uganda, Burundi, la bande de cognons sont au bazar à l'Est. Deuxièmement, Makambo et Zolé Kanambo Kanabiso, ils ont salamé avec la complicité, les silences, la communauté internationale. Soki, Bango, Baboy Kolobela, Makambo Nabiso. Ceux qui parlent, ils vont soutenir le biseau. Ils vont avoir des avantages de puissance. Est-ce que tu vas soutenir le cannabis? Est-ce que tu vas dire que le cannabis est un couva? L'Angers à l'est du pays est allé Angers mort fort. Nous sommes au Bayamon devant le monde entier. L'Angers à l'est du pays est allé volonté. Il y a un pays voisin. On a quand en Congo, qu'on soit une partie en Boko Nabiso, pour annexer dans Rwanda. Est-ce que nous avons dit 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 que nous av
les alibons ont besoin. Kivu, Nord, Nassim, Kivu, la territoire où ils ont la richesse. Je suis un peu plus grand. Bazalina banoko bazana basemeki bazon kufa na est pona kosobe kolo ya moto lobaki lelo toya biso nyonso awa pona kotinda soutien na biso na na fire dc na ba militaire bazon kufa na est toyen sa bango de bazan bango kote bazana biso bazan bango kote bazana biso bazan bango kote bazana biso. La deuxième chose, c'est que nous avons soutien à nous avons soutien à la Biso. Nous lançons un message à la communauté internationale. Que la RDC n'est pas un gâteau, que le pays voisin et derrière eux des firmes internationaux, des groupes marchands économiques au niveau mondial, Bahia, Pona, Ozoa, Richesse, Nabisso, en créant des guerres dans notre pays. De la même manière que Bazo soutenir Russie, Ukraine plutôt, contre Russie, où il y a l'invasion dans la tête de l'Ukraine. Et c'est de la même manière que cette même communauté internationale, ces mêmes pays puissants, à travers les Nations Unies, devraient condamner l'agression du Rwanda et le pays voisin envers la RDC. Ce qui vient de se passer aujourd'hui, c'est un appel à la solidarité nationale. Ceux qui nous intéressent dans ma cambo et que nous l'avons dans la tombe, Goma et Komi province, il y a Wam. Il y a mon étologie. Et ce n'est pas ce que vous disiez désormais. Pour passer un message, on a un déconnu sur l'endam. On a une activité, nous sommes autres pour nous organiser. Si Rwanda a un petit caquet dans mon cannabis. Gouvernement de l'EBC, République, gouvernement de l'Abisso, oui. Tozali n'a besoin d'un président de la République où Yazali complaisante face à Rwanda. Tozali n'a besoin d'un président de la République où Yazali Sekisa Baini à Congo. Tozali n'a besoin d'un premier ministre où Yazali Sekisa, Yazali Sakana n'a Baini à Congo. Tozali n'a besoin d'un président de la République où Yazali rigoureux, fort, ferme face au Rwanda. À sanctionner par nous. Voilà le message que la devait être passée. Que vous allez unis par le sort, c'est-à-dire au mot qu'on a vu sur et où tu as histoire, dans les gens qui ont été tous les mots à mot. La téléphone de mot à eau est allé pour une politique, est allé à ta politique. Ce qui vous est à partir de mot. Où ils allaient à la réunion sur les alliés Congo. Il y a eu, dans ce pays, il y a eu des réunions. Les lots, les bas citoyens, les sommets, les peuples, les awa, les collègues, les morobos, les peuples, les peuples congolais, les congolais, les congolais, les congolais, les congolais, les est. Mais la prochaine, la microbésée, il y a un sémat. Il saute, il y a un bon temps. À ton nom, de à tata, à maman, pour venir à la toile, tout ça, nous sommes dans la climatani, pour venir sa armée là-dessus. Parce que, au côté de l'eau, vous allez appeler la table, nous sommes. On va nous s'en à nous sommes. Nous allons nous parler, nous allons à Moka, nous allons à Makassi, nous allons faire la domaine. Et si quand vous allez, Bangula, Bakula, Bakula, Bakula,
on a un peu de domaine. Ce qui est un lobby, c'est un caractère et le cahier de la canisse. Et à ce moment-là, il y a un peu de temps dans la maison, et il y a un armée. Il y a un peu de moto, pour que ça amène la maison à casse. Après, ça amène la casse de la ligne, donc on peut s'aider par moyen. Pour cause à la terre, l'armée, on peut s'aider 400 millions de dollars à l'autocratie. Il y a un peu de temps dans la maison, toi qui dis ça, bon, autant que tu as un peu de souci. Voilà, ce qui a une véritable priorité. C'est ça. Dans le Sénat, dans la condition, voilà. Dans le président de la République, dans le député, dans le sénateur, tout le monde est en train de vivre dans l'institution. Voilà! Pour ce qui a mis la douceur, a connu la budget, il y a 1 milliard de dollars par an. Voilà! Parce que la vie sur la cause de la tête, la tambour la calamando, qui n'est pas un rebelle. Armée la vie sur le à l'armée à mon aide. Et puis vous allez dire, il faut qu'on y ait pas. La histoire la vie sur les alliés de l'autre côté. Armée la tambour la force publique. Pour qu'on t'a capé la Rwanda, la vie sur le Rwanda, la Rwanda, la Allemagne. Armée la vie sur la tambour la Mouroutou. Et ça, c'est une opération militaire pour la raison de cette Kimia. Dans le Tchad, aux hommes de Sakinia, dans le Rwanda. Mais le lot, et l'homme a dit que les Zangi du Sopote, tous à la ouverte dans la Kassouana, dans le Pikilikiwana. Donc, que vous à la Kanolika, tout le monde a le droit à me moquer parce que souvent, le lot au hôtel est parce que le meilleur, l'hôpital est là, il est soupongé. Dans septembre, il y a un budget aux hommes. Dans le conseil de la Bino de l'Inde, tous à la Mondo, le Moko. Tous Senga, par moyen de contient la défense nationale. Pas diminuer par moyen, monsieur, sur le site de Soussou, qui est un bon de la défense nationale. Parce que ceux qui ont fait ça, nous voulons dire un acte. Nous voulons battre la bonne mémoire à bisauté. Jamais mon monde a lié à combattre la car et tout le radisso. Jamais ma pays voisin va voir comme ça la sécurité de la radisso. Sécurité de la radisso, ils arrivent à la banque de la radisso. Mais Ngaï n'a pas la confiance. On a évité de voir tout ça quand on fait dans l'histoire. Le lobe est toujours pour nous avoir le Kona. Et Congo a dans la armée mon corps et de battre la Congolais. On a eu le Kono, on a ma belle la Bissot. Mais quand c'est, on dit qu'à des tels, il y a ma belle, à ta moquée, et qu'il n'y a pas eu mon sécheau, à Congo, ma Bissot, à Congolais, non, ça, c'est la Bissot. Donc, c'est nous, merci pour l'initiative Kono. Et ça, il va nous, mais pour continuer le temps. Merci beaucoup. Suivez Congo Buzz TV à travers les réseaux sociaux. Sociaux.